Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici c'est Kai et on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version rouge. Ça faisait longtemps, c'est vrai, j'ai pris des vacances, mais maintenant je suis de retour. Non, pas pour vous jouer un mauvais tour, bien sûr que non. Mais je suis là et je vais pouvoir reprendre les vidéos avec le même rythme que d'habitude, c'est-à-dire tous les dimanches. Donc, sans plus tarder, on va aller à l'arène, puisque la dernière fois on s'était arrêté à Parmani. Il y a beaucoup de choses à faire. On va d'abord s'entraîner en éclatant un peu tous les dresseurs de l'arène. Bon, c'est une arène type poison. Et bien sûr, histoire de me troller, il ramène quoi? Des Pokémon Psy. Ah, la trouille. Critique, ben voilà. Pour une fois, il était bien placé le coup critique là. Kadabra, oh! Je vous avoue que là, voir les machins niveau 34, j'ai un peu peur. Critique, super avec la tranche. Touchez pas énormément de points de vie avec celui-là. Eh ouais, le Nabo t'a battu. Toi, t'as les Pokémon poison. Allez, c'est ça. Eh non, c'est encore un jongleur, là, con. Oh! Pauvre. 38, le bâtard! Falloir jouer strat. Vraiment falloir jouer stratégique ici. On va attendre qu'il soit vraiment. On va essayer de l'affaiblir le plus possible. Il se réveille. Coup de boule. Et le prochain. Il a rien vu venir avec Nomade. Eh ouais. Il devait y avoir un mec poison, le champion des Pokémon. Le champion utilise des Pokémon type poison. Toi t'es quoi? T'es encore un jongleur à la con ou quoi? Eh ouais. Soporifique. Bon, c'est aussi faible que le dernier. Ça va pas être très dur. Boule, voilà. Ça mettait la trouille, c'est génial. Niveau 37, très bien, j'ai gagné un peu plus d'attaque. Psycho, oh! Ah bah ouais! Choc mental. Bah non, j'ai pas changé, hein. La stratégie marche. Très très bien. Bon, j'ai plus beaucoup de PP. Caisse toxique, aucun effet, tant mieux. Kadabra, ouf. Est-ce que je change? Je vais prendre un peu de charter là. Rappelez Kadabra, bien sûr. C'est horrifique. Choc mental. Ouais, ça va, y'a pire. Il attaque. Tu vois, il tient bien quand même. Ils encaissent bien les miens. Et son cadavre de malheur. S'il l'a rappelé, c'est qu'il a bien raison, je pense. Et entrave raté. Choc mental, il rate. Et là, je lui tombe dessus. Ah ouais. Eh oui, t'as perdu. Le ninja est sauté d'arbre en arbre. Qu'est-ce que pour le gorille
passe? J'ai pas compris la référence là. Oh là. Qu'est-ce que c'est toi? Arbok. Ah bah voilà un bon Pokémon poison. On va tester notre nouvelle attaque, Psycho. Voilà. Sablero. C'est un Pokémon sol, donc je vais envoyer un Pokémon plante. Très efficace. Arbok. On va envoyer notre cher Houdini là. Il va être très utile contre le champion. En plus, je suis beaucoup plus rapide. Je les rush, j'ai même pas le temps de taper les mecs. Les murs invisibles sont sympas. Ouais, j'ai remarqué, et bon, ils sont pas tellement. Ils sont quand même visibles. Le truc horrible, ça aurait été de faire vraiment invisible qu'il n'y ait pas les petits points sur le sol. Là, ça aurait été chiant. C'est quoi ça que ça bleu, d'accord. Oh, genre. Premier coup que Houdini prend quand même. Les assauts de la reine, ça aurait été vraiment facile. 38, très bien. Est-ce que je crois que je vais me soigner avant d'aller à fond des champions. J'aime pas lui ce qu'il a dit ce gars-là, c'est pas grave. Poéfique, bon ma technique classique. Ah, un peu plus élevé le niveau quand même. Enfin, niveau 34 quand même, il aura été temps de le faire évoluer. Hein. Gaz toxique, putain. Oui, c'est hypnomade, oui, je change. Avec mon Léviator. Ok, le morceau devrait être plus puissant normalement. Largement, ouais. T'as assez de les empoisonner là. Je suis content, ouf. Mais c'est bon là. C'est bon aussi pour lui. Bon, on va se soigner. Parce que je ne fonde pas le champion avec des Pokémon empoisonnés. Parce que j'ai pas envie de claquer des antidotes pour rien. Et en plus, de toute façon, je suis largement assez proche du seul Pokémon pour pas avoir à me soucier de l'état des deux là. Et voilà, le meilleur seul Pokémon, voilà, je vais soigner. Tu vas les soigner. On va à l'arène et on va affronter le champion Koga qui utilise des Pokémon poison alors que la plupart des mecs de son arène ont des Pokémon psy. Ne me demandez pas pourquoi. Allez hop, baston.
Je suis pas un nain. Grand, beau et terrible. Terrible peut-être, mais bon, grand, beau. Par l'enfer, par le sang, par l'acier. Je vais gagner. J'adore la rime. Un ninja. Sa fille s'appelle Janine. C'est une ninja à l'envers. Pas super original. Bon, le Smogo là. Ah, la grenade lacrymogène. Super rapide, très bien. Ça va le mettre KO là, je pense. Voilà, ouais, je m'en doutais. Tout corps spécial, je suis quand même un porc avec celui-là. Gros tas de morve. Ah. Je crois que c'est le plus chiant de son équipe. À cause de sa technique Lilliput, qui va se rendre tout petit et d'avoir une meilleure esquive. Elle n'a pas le temps de la sortir. Smogo. Ah, ça c'est un ninja ou un CRS là de lancer des lacrymos? Non, je change toujours pas. Hein. Ah, 43 quand même, le machin là. Oh, genre le petit point de vie. Et... le truc qui sert trop à rien. Et ben voilà. L'arène torchée. Le badge âme, voilà, ça y est. Montée de défense de tous les Pokémon, très bien. Et me donne la CT6 qui contient Toxique. Une technique géniale. Pour empoisonner les Pokémon ennemis. Et surtout, combiné avec des saletés du genre ligotage, avec reflet et jet de sable, c'est une horreur. Bon bah allez, maintenant qu'on a battu la reine, il reste pas mal de choses à faire à part Manny, notamment au niveau du parc safari. Non, pas Pokédex, Pokémon. On va aller au parc safari. J'ai testé cette ville, j'ai testé cette ville, j'ai testé ces labyrinthes à la con là. Je vais passer sur le côté là, juste parce qu'il y a des buissons au milieu d'une ville. Comme si en sortant de chez moi, là, au niveau du stop, au bout de ma rue, là, il y avait un buisson qui m'empêchait de passer. Ça, c'est un bouquet de l'art, voilà, je passe un bouton de Pokémon, gna, voilà. Je ne prendrai qu'un seul. Je ne prendrai qu'un seul Pokémon dans le parc Safari, c'est le premier que je trouverai. En plus, dans ce parc Safari, il y a quand même pas mal d'objets intéressants. Faut absolument que j'aille récupérer la dent d'or, puis trouver la cabane secrète pour obtenir Surf, la dent pour la ronde gardien pour obtenir la CS Force. Nidoran. Ouais, mais je l'ai déjà, la fuite. Voilà. Carbone. Mais rien d'intéressant. Faut aller à gauche. Je me rappelle pas de tout le chemin dans ce parc, donc il est possible qu'il va falloir plus d'un seul essai pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Nidoran mâle! Je l'ai pas! Et viens là. Il va falloir que je capture, hein. On va essayer de l'avoir avec un caillou. Il se fâche. Ah ouais, voilà, il s'enfuit. Bon, et tant pis, hop. C'est 37, je sais pas ce que c'est. Le parc safari. Eh ben, c'est foutu pour avoir un Pokémon là-dedans. Plein de trucs qui traînent. Guérison. Ça, c'est sympa. On va
Ouais, un objet ici. Je retourne le prendre. Il me faudra plus d'un seul essai pour pouvoir obtenir tous les objets, y compris les deux plus intéressants. Potion max, ça c'est intéressant aussi, ça valait le coup. Ça vaut quand même 2500 la potion max, hein. À l'achat. Oh, c'est pas vrai. Kangourex! Et moi j'ai obtenu un Nidoran de merde. Je suis deg. Ouais, c'est le point commun, ça aurait été excellent ça. Allez, on va arrêter de rager sur ce qui aurait pu se passer. Cette musique du stress. Y'a quoi ici? Y'a rien ici! C'est un troll ce truc en fait. Oh putain, je le sens mal. Oh là là, la galère. Par que deux. Il m'a 111 pas seulement. Oh là là, ça va être mort. Faut que je monte tout en haut en plus. Il me rend mal. Paras. Ton inventaire est plein. On va utiliser un objet, je crois. Défense à l'augmente, voilà. Il n'y a pas la meilleure défense. C'était 40. Et quoi? Fais le tour. J'ai. Carbosse pour augmenter la vitesse. Lequel des tous est le plus lent? C'est ça aussi. C'est pas une flèche, faut le mettre. Protéine. Ça vous montre encore les stats. Ce sera pour l'attaque. Je pense que si j'ai besoin, je la donnerai à l'aviator. Quand il dort en mal. Quatorze pas, c'est bon, je vais pas y arriver. Oh, j'étais presque. Et à plus tard, ouais, c'est ça, bien sûr. On va d'abord aller au centre Pokémon, histoire de déposer un peu tout ce qu'on a obtenu. Je déteste ces buissons. Je veux dire, quand ça se justifie pour le jeu au début, d'accord. Mais la main, c'est plus besoin d'avoir des buissons à la. On va rien dire. Allez, on va déposer toutes les CT, les objets et compagnie là. Tout ce qu'on n'a pas besoin. Non, pas le BCBO. Stocker, alors on va d'abord stocker. Plus de place pour stocker? C'est une blague? Plus de place pour stocker les objets? Bon bah on va acheter certains trucs. Plus de réveil après tout ça me sert absolument à rien. Oh là 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 là, il va falloir que je jette des trucs.
stocker. Alors on va stocker les. On stocke également la. C'était 6. Toxique. On va aller au magasin vendre des trucs. Seule solution qui reste. Je sais plus où le magasin, cette ville. Il y a même une boutique dans cette ville, c'est évident. À droite? Bah non, tous les coups la boutique va être à gauche. Voilà, elle était là la boutique. Antipara. J'ai même pas antidote. Ah si. J'ai deux tels soins maintenant. Alors. C'était 20, je la vends. On va regarder ce que c'est que la CT40. Coup de crâne. Oh! C'est tellement pourri. Ça prend deux tours. Est-ce que je pourrais vendre d'autres aussi qui me servent pas? On va utiliser quelques objets, ça va faire un peu de place. Protéine, ça augmente l'attaque, on va la donner à Salmo pour qu'il booste encore plus ses capacités offensives. PV+, Psycho, on va monter Psycho parce qu'on aura vraiment besoin de monter le Psycho d'ici peu. Je pense à Safrania par exemple. On va vendre les Super Balls en plus. On va acheter des hyper par contre. Voilà. Allez, on retourne au parc safari et on récupère tous les deux objets qui m'intéressent, c'est-à-dire la dent du gardien et l'attaque surf. Enfin, c'est surf. Oui, oui, c'est bon, je connais. Allez, ce qui est chiant, c'est de faire claquer son pognon là. Bon, allez, on fonce sur la droite d'abord. La première herbe, je me fais agresser par un mimitos. Je veux pas de vos blattes et de vos mythes. On perd pas de temps cette fois-ci. Encore un paras. Pourquoi je fais ça moi? Ah, putain. On va coller au plus près des murs là pour essayer de. J'ai déjà un hydrant. Et là. Attendez que je me rappelle bien. Faut pas aller là-haut parce que ça sert absolument à rien. Nidorino. Ah, par contre, faut que j'aille en haut. 9-9. Ah, un Pokémon intéressant celui-là aussi. J'aurais bien aimé voir notre coucou. Il n'y a pas le double type poison handicapant le Florizarre.
Alors là, faut que j'aille où? En bas. La caverne secrète, d'accord. C'est pas là. Parc 3 Est. Appel Max. Truc qui sert absolument à rien. La caverne secrète, elle est juste au-dessus. Potion Vax, très bien, j'en ai déjà une, ça en fait une deuxième. Oh non! La case secrète, elle est au-dessus! Faut absolument que je trouve la dent du gardien alors. C'est pas ici! Je me moque de vos mythos. Utiliser repousse. Faut remonter là-haut, bien sûr. Faut s'entendre encore que je galérais là sur ce niveau ou pas? Ça se passe comment là? Et ça, c'est la dent du gardien, bien sûr! Arrêtez de l'autre côté! Je suis dégoûté! 142 pas, c'est pas faisable! C'est pas faisable du tout, oh là là! Fallait monter. J'ai le son. Et en plus, fallait aller à gauche du deuxième bassin. Fallait aller à gauche là. Je vois pas le chemin. Mais comment on passe là? C'est comme ça, oh là là, c'est la galère. Et voilà, bien sûr, c'est fini. Bon, je sais par où faut aller maintenant. Alors, ça fait déjà 500 balles de moins. Absolument que je me dépêche d'atteindre cet endroit maudit. Maintenant, j'ai le chemin en tête. Je vais plus galérer comme un idiot. On va faire super attention avec nos pas. Faire le moins de pas possible pour atteindre cette cabane secrète. Faire repousser terminé. Trois pas, le repousse sera fini. Mais ça, j'ai pas eu du temps là, inutilement. Mais on paraît que je me plante encore. Faut monter en, faut monter. On passe à droite dès qu'on peut. Hop, on monte, on part sur la gauche et on descend jusqu'à cette cabane secrète. De repousse, c'est pas grave. Bon, oui, on y est. La dent dehors du gardien, voilà, ça y est. On peut plus rien faire. Ici, il y a un objet. C'est les 32, c'est quoi? On va juste essayer pour voir ce que c'est. Reflet, oh non!
Moi j'aurai un spécial pour faire toxique et tout et tout. CS3, voilà. Génial! Objet CS3 utilisé. Pour une surf un Pokémon, ça va être Salmo. Oublier pistolet à eau parce que c'est tellement pourri pistolet à eau. Ah bah là je peux vous assurer que ça va être carrément autre chose que avec le petit pistolet à eau hein. 74 pas par contre là. Je vais vérifier juste une petite chose. Est-ce que j'aurai le temps? Je sais pas. Je rappelle que dans l'eau, juste à côté de la cabane secrète, c'est là qu'on peut pêcher des mini-dracos. La première partie, j'avais tellement galéré, j'ignorais qu'on pouvait l'acheter au casino. Je vois si c'est pas un objet ici. J'ai pas fouillé la partie droite. Ça se rendit pas encore, oh là là. Oui, ça je le sais, je viens de le trouver. Causer pierre, évidemment. Evoli est un Pokémon évolutif. Ça dépend des pierres qu'on lui met pour qu'il se transforme. J'adorais Aqualie et Cassé d'Armure qui était vraiment rapide, avec beaucoup de points de vie et une défense excellente. Dorina. Voltadite est bien sûr le préféré parce que Dard Nuée pouvait blesser Pokémon type insecte, type psy plutôt. Et voilà, c'est bon, ça y est. Enfin. Et à plus tard. Bon. Allez, on va donner cette dent au gardien. Pourquoi je sors de dents objet? On va aller voir le gardien, je sais plus où est-ce qu'il habite par contre celui-là. Ah bah c'est bon, c'est là. Ouais, ça y est. La CS4 qui contient force. Tu vas prendre force. Tu as oublié les griffes, c'est pourri. Force et sœur, c'est vraiment les seules attaques que. Les seules CS qui sont vraiment utilisées avec vol, bon, bien sûr, de temps en temps. Super bonbon. Ah! Bon. Eh ben on aura galéré sur cet épisode, surtout pour la fin. La première partie avec l'arène, ça s'est super bien passé. La seconde, là au parc safari, ça a été un véritable calvaire. Je suis perdu et reperdu. En fait, le chemin est simple, c'est plus complexe. C'est chiant, hein, ce genre de phrase. Hein. Allez, quoi qu'il en soit, on va soigner l'équipe. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos retours. Parce que je suis vraiment content d'avoir pu reprendre. Allez, ciao tout le monde !